Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour la Sweet Sparkle Box du mois d'octobre. Donc je l'ai reçue il y a 2 jours. Donc elle se présente comme ça, donc dans sa petite boîte traditionnelle rouge. À l'intérieur, donc vous avez la carte, le thème c'est Purple Potion. Très jolie carte. Et donc vous avez tout ça de produits. On commence. Alors, on a un pinceau ELF Contouring Blush. Voilà, je vais l'enlever. Il a l'air très bien, très qualitatif. Les pinceaux sont bas, par contre, hein, les poils. Mais pour faire le blush contouring, c'est pas mal. Donc ça, je garde. J'adore les pinceaux, moi, en plus. Ensuite, nous avons une palette, un petit blush de la marque Douce. Donc, c'est le 63 Feeling You. Il se présente comme ça. Et à l'intérieur, donc on a... Waouh, il est beau le blush. Regardez le packaging. Ça fait un peu un effet, un peu miroir. Vous voyez, super joli. Et ensuite, il se présente comme ça. Super beau. Et bon, ça, je pense que je verrai. Enfin, je sais pas si je le garde, parce que moi, en blush, j'en ai pas mal. Donc, je vais voir. Ensuite, nous avons un eyeliner de la marque Ikari. Donc, un eyeliner noir. Qui se présente comme ça. Un petit feutre. Donc, ça, je garde, parce que j'aime bien garder les eyeliners. Ça fait un petit moment, d'ailleurs, avec les box que j'en ai pas acheté. Et d'ailleurs, celui qui est pas mal que j'utilise en ce moment, c'est le Karl Lagerfeld. Il est top. Ensuite, nous avons un lipstick mat. Donc, c'est génial, un lipstick mat de la marque Coqui. Mais bon, je ne vais pas l'ouvrir. Il est sous blister, vous voyez. Je ne l'ouvre pas. Parce que je pense que je le mettrai à un concours sur Instagram. Parce que les lipsticks, j'en ai acheté déjà pas mal chez Makeup Revolution et puis ceux de Sananas. Donc si c'est pour l'ouvrir et puis le stocker, ça ne sert à rien. Et ensuite, nous avons une petite palette d'Home Beauty qui se présente comme ça. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans tout arracher. Ça va. Hop, ça se présente comme ça. Ça a l'air d'être un joli violet. Hop. Voilà. Waouh, la couleur est juste magnifique. C'est un petit fard mono comme ça. Super joli. Bon, je le swatche pas parce que je le mettrai à un concours. Donc, du coup, je la trouve sympa, cette petite box. Moi, j'aime bien. En fait, à chaque fois, je sais que je vais retrouver dedans du make-up. C'est sympa. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai mis un concours, d'ailleurs, un gros. Je vais mettre les produits là de la box aussi, d'ailleurs, dessus. Donc, écoutez, je valide. J'ai hâte de recevoir celle du mois de décembre, voir s'ils vont faire un petit thème spécial pour Noël. Donc, j'ai hâte de voir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner et à aller sur Instagram si vous voulez participer au super concours de Noël. Je vous embrasse, à très bientôt.